Les récents résultats plutôt compliqués du Real Madrid en ce moment relancent clairement l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Du moins, c'est ce qu'affirme la presse madrilène. Le Real Madrid, ce n'est pas un club comme les autres. Quelques petits mauvais résultats, et c'est déjà la crise, avec des supporters et des médias particulièrement exigeants. La défaite lors de la finale de Supercoupe face au Barça, et celle face à Villarreal le week-end précédent, ont, du moins selon les madrilènes, mis en évidence les lacunes de l'effectif à disposition de Carlo Ancelotti. Notamment dans le secteur offensif, où si Benzema n'est pas inspiré, peu de joueurs sont capables de marquer, comme l'explique encore le quotidien AS sur Sa Une ce mardi. Et forcément, un nom revient encore sur la table, celui de Kylian Mbappé. Comme l'indique Defensa Centrale, de plus en plus de supporters et de figures majeures du madridismo réclament l'arrivée du Français dans un avenir proche. Pas pour cet hiver, pour des raisons évidentes, mais plutôt pour l'été prochain. Mais surtout, le média nous dévoile une information assez croustillante. On apprend que les dirigeants madrilènes restent convaincus que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid. La question reste juste de savoir quand. Ils sont certains que le destin du Bondinois est de jouer au Bernabéu, et ne se font aucun souci là-dessus. Il faut dire qu'en Espagne, tout le monde semble prêt à pardonner le joueur passé par Monaco. Son transfert ne causerait ainsi aucune polémique et n'aurait aucun détracteur. C'était une des conditions majeures mises par Florentino Pérez pour repasser à l'attaque à l'avenir, alors qu'il y a quelques semaines encore, tout le monde n'était pas encore convaincu. Mais la donne a changé. Dans un autre article publié par le site, on apprend que Pérez est conscient que le Real Madrid a besoin d'un galactique l'été prochain, et que là encore, Kylian Mbappé est le meilleur profil pour endosser ce rôle. Et le patron des Merengues n'aurait pas l'intention d'attendre 2024, quand le Français pourra choisir de quoi sera fait son avenir, pour le mettre dans un avion direction Madrid. Le feuilleton mappé, c'est reparti. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres infos.